C'est une visite hautement symbolique qu'effectue le président américain en Grèce à l'occasion de son dernier déplacement officiel en Europe. Ce pays, berceau de la démocratie, symbole des mesures d'austérité face à la crise budgétaire, a rappelé Barack Obama à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre Alexis Tsipras. Une austérité qui seule ne peut pas apporter la prospérité, a précisé le président américain, abondant dans le même sens que son hôte. L'économie et la population grecque, après 7 ans, ne peuvent plus supporter davantage d'austérité. Dans ce contexte, la Grèce poursuit les réformes engagées. Le FMI a indiqué qu'un allègement de la dette était crucial. Je continuerai à plaider dans ce sens auprès des créanciers afin de contribuer à remettre le pays sur les rails d'une croissance économique durable. C'est dans l'intérêt de tous que la Grèce réussisse. Ce message, Barack Obama devrait le transmettre à la chancelière allemande Angela Merkel, qu'il doit rencontrer ce mercredi soir.